Je suis chaleureuse, généreuse et émotive. J'ai fait 6 ans d'études pour être expert comptable. Donc j'ai travaillé dans un grand groupe pendant plusieurs années. Puis j'ai eu mon premier enfant et j'ai eu envie de changement. Du coup, je suis allée plutôt du côté de l'entreprise. Et 2 ans après, j'ai eu mon deuxième enfant. Et là, j'ai encore eu envie de changement. Et comme j'ai identifié un même problème que j'ai rencontré dans ma maternité, j'ai décidé de créer Platé. Le problème que j'ai rencontré justement pendant mes allaitements, c'est l'équipement. Je me suis rendu compte qu'en devenant mère et qu'on allaitait, on était très peu équipés. On avait de la lingerie d'allaitement basique, blanche, en coton et vraiment pas sympa. Et du coup, j'ai décidé de créer un soutien-gorge d'allaitement absorbant et élégant pour que les femmes puissent se sentir féminines. Grâce à Platé, les mamans peuvent se sentir au sec de jour comme de nuit sans utiliser de coussinet d'allaitement. Mon incubation est née d'une rencontre avec Fabrice Caille. Il m'a alors proposé d'intégrer la promotion Square Lab. À cette époque-là, je ne savais pas encore à quel point j'en avais besoin. Mon expérience au sein de l'Open Incubateur Square Lab peut se résumer en 3 points. Le premier, c'est la promotion. Intégrer cette promotion était hyper enrichissante. Les échanges, les points challengeants et toutes ces journées passées ensemble à travailler m'ont été d'une grande aide. Le deuxième point, c'est un accompagnement qui permet de se poser les bonnes questions, de trouver son bon client et surtout de se challenger pendant les 6 mois de l'accompagnement. Le troisième point, ce sont les intervenants de qualité qui nous apportent leur expertise et leurs conseils pour nous aider à développer nos projets. Je m'appelle Delphine Di Rosa et je suis la fondatrice de Platé.